Togo Info, le Togo à votre portée. Avec beaucoup d'émotion que je me présente devant vous pour cette cérémonie solennelle. Vous me permettrez également de rendre grâce à Dieu, lui qui nous a permis d'être ici ce jour, et surtout lui rendre grâce pour tous les bienfaits dont il ne cesse de gratifier notre cher pays, le Togo. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au chef de l'État, Son Excellence Fort et Soisimna Nyasimbe, pour la confiance qu'il vient de m'accorder en me confiant la lourde responsabilité de Premier ministre. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi saluer l'engagement et le sens du travail bien fait que Monsieur le Premier ministre, comme ici l'homme Klassou, a si bien incarné pendant toutes ces années où il a été à la tête du gouvernement. Monsieur le Premier ministre Klassou a su, par son sens de l'intérêt de l'État et par sa grande pédagogie, fédérer l'équipe gouvernementale pour l'obtention des résultats élogieux, des résultats très encourageants que nous avons tous vus parce que nous avons tous assisté. Nous avons été tous témoins de ces résultats, donc des résultats salués par tous. En tant que membre de cette équipe, de l'équipe sortante, je peux témoigner de sa capacité à toujours œuvrer pour l'intérêt collectif et surtout à œuvrer pour que le travail se fasse dans la plus grande discipline et dans une ambiance conviviale. Monsieur le Premier ministre, infiniment merci. Mesdames et messieurs, j'aurai l'opportunité de présenter devant les députés, les honorables députés à l'Assemblée nationale, les ambitions que le chef de l'État nous a instruits de porter. Mais aujourd'hui, je voudrais dire aux uns et aux autres que nous comptons placer cette responsabilité sous l'angle de la concertation, de l'écoute, mais aussi de la recherche permanente, mais de manière accélérée, de résultats au profit des populations, parce que c'est pour les populations que nous sommes ici. Aux équipes de la primature et du secrétariat général du gouvernement, je voudrais les inviter à continuer à faire preuve de professionnalisme et d'engagement, car le travail que nous allons faire ensemble n'est que la suite de ce qui a été engagé. Pour finir, je voudrais dire qu'en ce moment précis, j'ai une pensée pour toutes ces jeunes filles qui travaillent dur pour construire leur avenir et leur dire que nous, femmes, nous pouvons arriver à proposer un leadership apprécié et efficace et elles peuvent compter sur ma modeste personne. Encore une fois, je voudrais remercier le chef de l'État et j'engage dès à présent le travail avec vous tous. Je vous remercie pour votre attention.